Les amis téléspectateurs, bonsoir. Moi, très content avec vous à vous présenter au journal ça. Pour commencer, un web pigou point cap dominé actualité. Et rapidement, mais Pigou Point Cap dominé actualité à Soya, 12 janvier 2010, 12 janvier 2018, ça fait 8 l'année depuis un terrible tremblement de terre Haïti de 7.3 qui a frappé pays d'Haïti. Pour commémorer date ça, président de la République, la Jovenel Moïse, accompagné avec première dame non, Martine Moïse, et puis premier ministre Jacques Guy Lafontaine, déposé un gèflet dans le mémorial 12 janvier dans Saint-Christophe Titanien. Yon service écuménique déroulé dans la cour Palais National, journée vendredi à, en mémoire victime tremblementaire 12 janvier 2010 là. Président Jovenel Moïse profitait occasion pour poser premier pied pour reconstruction Palais National qui est écrasé dans la catastrophe si là. Sous initiative direction protection civile, le ministère intérieur à collectivité territoriale, il y a une exposition tableau de sensibilisation sous risque sismique qui est déroulé vendredi 12 janvier 2010 là, sous champ de masse, activité ça réalisée dans l'occasion 8e année, département de Nipap rapoursuivre une délégation ministère agriculture accompagnée à quelques représentants fonds international pour développement agriculture FIDA. T'es visité et avancement travail dans jour passé. Et puis dans l'actualité internationale, là, président américain Donald Trump démenti information qui fait quoi? Il a utilisé un propos désobligeant pour qualifier Haïti avec pays africain. Jean Plisier, médias américains, rapporte ça. Mais journal là en détail, président République là, Jovenel Moïse accompagné première dame là, Martine Moïse et puis premier ministre Jacques Guy Lafontaine déposé yon gèflet jeudi à dans mémorial 12 janvier dans Saint-Christophe Titanien sur route nationale numéro 1. Dimassa a fait pour saluer à mémoire plusieurs milliers de compatriotes qui mourir dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là, président. Dans l'occasion commémoration 8e anniversaire tremblement tête 12 janvier, président Jovenel Moïse posé premier pied pour reconstruction au Palais National là. Cérémonie ça déroulée en présence première dame République là Martine Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, président de branche Palmont avec représentant co-diplomatique là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. 8 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, président Jovenel Moïse posait action tout haïtien tap tannan. Li mette premier roche pour reconstruction palais qui était considéré comme plus bel palais dans Caraïbes là. Président République là Jovenel Moïse reconnaît malgré toute difficulté à mauvais moment qui frappait pays là, peuple haïtien rete un peuple qui gagne en pile courage. Pendant li fait connait, li lè li temps pour responsable système qui était citoyen au construit Jean Yovelé n'importe côté Yovelé. Ça doit rappeler nous chaque jour que ça fait un peuple fait progrès, c'est l'aile capable de bataille pour le bail tête des règles pour faciliter le vivre ensemble. C'est l'aile capable de bataille pour le bail tête un paquet de règles qui non seulement permettent de vivre ensemble, mais qui fait respecter les règles. Nous levons petit nous
j'en nous gérer business nous, j'en nous vivre une avec l'autre dans voisinage, j'en nous respecter autorité pays. Et ça yo gien rapport tout avec Jean nous Baptiste Caïn. Et qui côté nous Baptiste Caïn. Nous pas capable de bâtir. Nous pas gain droit Baptiste Caïn dans n'importe quelle condition et refuser sa autorité yo dit. Sa autorité l'État, magistral, Kazek, président, ministre, premier ministre. Ça yo dit sur qui côté nous kabati et qui côté nous pas kabati. Tête dit avec négligence, yon, cause malin avec la molotte. Ingénieur Clément Bélizer, coordonnateur groupe travail avec réflexion sur reconstruction Paléa, pote élément réponse sur toute question qu'a posé sur processus reconstruction palais présidentiel là pendant li bay garanti différents étapes reconstruction ça a déroulé dans respect normes construction yon bâtiment dans 30 palais national. Le palais national qui sera le fruit de la présente initiative du gouvernement Moïse harmonisera la mémoire de l'œuvre de Georges Boussin au mieux avec les vœux de la population, de la présidence et accommodera confortablement le programme des besoins, les nouvelles technologies avec une consommation énergétique la plus économique que possible, des aménagements intérieurs et paysagers de qualité et tout ceci dans un langage architectural cohérent. Ce sera un bâtiment moderne, reconstruit en mieux, parfaitement équipé et prenant en compte notamment les normes d'accessibilité universelle et de protection de l'environnement. Ça fait troisième fois dans l'histoire du pays d'Haïti, palais national détruit dans le même espace-là. Dernier souvenir, papa haïtien gain de palais ça, c'est un bel bâtiment, trois étages, qui étendent sur environ 20 000 m² à quatre gros colonnes sous façade principale-là. Jeudi, un groupe ingénieurs, architectes et historiens décidé de lever gros défi pour remettre le bâtiment ça sous pied avant fin mandat président Jovenel Moïse là, 7 février 2022. Yon service ekimenik déroulé dans la cour palais national journée vendredi ya, en mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Dans l'intervention yo, célébrant yo te centré sous nécessité pour citoyen yo changer comportement dans façon y a construit sous sens responsabilité, propreté, civisme, tolérance, l'amour à tête ensemble. Dans cérémonie ekimenik ça, Monseigneur Racin représentait l'église épiscopale d'Haïti. Monseigneur Pierre-André Dumas représentait l'Église catholique et puis pasteur Rigaud Amilcar Antoine représentait secteur protestant. Il y a un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Pendant que nous commémorons cet événement malheureux, douloureux, catastrophique, il faut que l'État haïtien s'engage de plus en plus et beaucoup plus encore à prendre des dispositions fermes pour garantir la protection des citoyens, c'est-à-dire il faut que les règles de construction et d'aménagement du terrain soient respectées. Il faut que notre environnement soit protégé. En plus, les Haïtiens, les royeurs, même les sirettes qui ont mangé, pour les sirettes là, ils sont obligés de mettre dans la porte, parce qu'ils connaissent la guerre de la terre. Il y a un contravention, et ils sont obligés de payer. Et il y a certains milieux qui ont fait payer $250 plus au minimum pour un fatra qui a la guerre à terre. Et ces mêmes haïtiens, laissant ces pays, retournant en Haïti, et même à l'aéroport, ça n'a pas qu'à jeter dans l'aéroport Miami, hein. Ils ont jeté l'aéroport. Aïeux pour la crainte nous. Parce que, puisque nous sommes tous des Haïtiens, ça ne dit rien à personne.
si on jette Fatra à terre. Dans l'environnement, nous, des bagages ça y est, nous t'arrimons, ouais, autorité, on mettait accent sur yo. La mémoire de nos disparus doit stimuler à retrouver la confiance entre nous, à dialoguer davantage, à poser les bases pour reconstruire un meilleur pays avec une gestion plus transparente, une bonne gouvernance, des institutions solides, un environnement sain et propre, des infrastructures aussi, pour donner un sens à la mémoire de ses frères et sœurs très chers et rendre notre communauté plus résiliente. Devons-nous nous divorcer avec cette certaine pratique récurrente qui continue à fragiliser notre nation et à la rendre toujours précaire. L'autre dossier dans le journal, le président de la République, là, Jovenel Moïse, annoncé exécutif, là, a accompagné 16 grandes communes dans le pays pour mettre sous pied un gros programme assainissement. Système assainissement, ça, d'après chef l'État, elle permet mairie qui, dans la commune Sayo, recevoir l'eau, équipement, axoti pour faire divers travaux, programme assainissement exigé en suivre. Nous ne sommes pas capables de quitter peuple noir à vivre dans Fatra. Pour la respirer dans Fatra, nous ne sommes pas capables de quitter la vonne à acheter, à manger sous Fatra. Nous faisons pour nous travailler, pour nous résoudre le problème, ça, tout bon vrai. Et c'est ça que fait l'exécutif là. À marcher main dans la main, à mairie 16 plus gros communes, l'aime dit plus gros communes, moi dis communes côté qui vient plus moun yo dans le pays. Moi je voulais parler de commune Wanamet, commune Fort Liberté, commune Cap-Haïtien, commune Lembe, commune Saint-Louis-du-Nord, commune Port-de-Paix, commune Gonaïve, commune Saint-Marc, commune Hinche, commune Mibalet, commune Petit-Gouave, commune Jacmel, commune Miragouane, commune Aquin, commune Okaï et commune Jérémy. 16 communes Zayou, qui sont 16 gros communes. Exécutif là, pouvoir exécutif là, à marcher main dans la main avec eux pour nous capables de mettre système sous pied, pour nous mettre centre de déchets. Équiper eux, même gens ça commence à faire dans la ville Cap-Haïtien, à camion compressif qui sont achetés dans 123 millions de dollars d'équipement acheté. Mais équipement ça, nous connaissons reste à privé juste dans le mois de mai pour toute mairie qui a un équipement, qui a un site de décharge. Et je nous commence ce travail là, étude qui fait sous zone métropolitaine pour nous connaître combien de tonnes Fatra qui produit dans zone ça. Zone ça a environ 3000 tonnes Fatra qui produit là dedans chaque jour. Nous prenons décision parce que étude a révélé 72% Fatra ça c'est matière organique que yon. Nous prenons décision pour que zami nous dans international là, voyage que nous fait en Europe. Nous avons parlé avec des groupes en Belgique. Nous avons des groupes que nous travaillons avec eux pour être capables de produire gaz, méthane, avec compost de qualité, avec produits organiques. Ça y est, 72% produits organiques qui n'ont pas de que nous produit dans la zone métropolitaine. 72% de matière organique, ça qui permet nous produire plus de 190 000 tonnes d'engrais de qualité. Direction protection civile dans le ministère intérieur à collectivité territoriale, réalisé en journée, exposition, tableau sensibilisation sur risque sismique vendredi 12 janvier 2018, là, sous champ de Mars. Activité ça qui est réalisée dans l'occasion 8e année, commémoration tremblement de terre. 12 janvier 2010 là, faite dans l'idée pour continuer à sensibiliser la population. Ce comportement doit gagner pendant un tremblement de terre, avec façon, il doit construire caille
pour éviter qu'il y ait plus de dégâts dans le moment catastrophe naturelle. Joseph Edgar Célestin, c'est une responsable activité ça. Nous passons 8 communes déjà, sorti depuis commune Milo, rivière Wanamet. Donc jeudi là, nous arrivons pour Port-au-Prince et il coïncidait avec 8e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 que nous connaissons qui était frappé pays. Hein. Tu es passé 220 000 personnes et puis blessé pratiquement 300 000 autres. Donc il y a un monde qui suit l'exposition ça, ou cap ouais, tout effort qui fait, non seulement avec tableau Movio pour nous connaître danger au plus bien, danger qui est tremblement de terre au plus bien. Deuxième tableau bleu pour nous connaître qui est fort qu'à faire pour nous former, pour sensibiliser la population dans l'école, mais également dans la communauté pour nous connaître danger un peu bien. Et puis, tableau gris pour nous voir comment justement pour construire plus bien. Pour construire plus bien, technique construction, formation pour maçon, tout ça pour nous capables avancer. Et puis, l'autre tableau après, orange, c'est qui est fort qu'à faire pour le théâtre à trembler. Pour nous capables de porter réponse, avec sensibilité, cap conformation, mais tout, la Croix-Rouge, pompiers, avec tout l'autre corps qu'il a pour faire gestion urgence dans le pays. Pas des évaluations qui faites de façon systématique, mais il y a des événements qui montrent nous plus ou moins qui sa population prend. Par exemple, il y a 2-3 ans comme ça, il y a une alerte tsunami, c'est-à-dire, bon bruit courir que pral gen tsunami pour de paix. Moun yo te gen réflexe, sauti sous côte là, aller dans l'aire de rassemblement, parce que dans zone sa signalétique qui montre moun yo, mes zones danger, mes zones qui pas danger, et mes qui route pour faire pour aller dans zone qui pas danger. Donc, tout autant nous pouvons gon évaluation qui fait clair, enquête qui fait clair, nous pas kadou exactement, mais qui côté n'te, mais côté n'rivé. Mais sous base, événement ça, sous base, action sensibilisation nous fait, Jean Mounio réagit, nous ouais sensiblement grand pile effort qui fait depuis 12 janvier 2010 en termes de connaître danger en plus bien et connaître comment Mounio réagit le tagging au tremblement de terre. La fois qu'on est, tremblement de terre 12 janvier 2010, là, la cause plusieurs milliers de monde dans la région métropolitaine, non, perdu un membre dans Koyo, malgré handicap physique, yo, en pile dans yo, retourner l'école, apprendre un métier et puis travail. Dans le cadre de la visite, yon équipe télévision nationale d'Haïti réalisée dans le local Erling and for Haiti, yo t'ai rencontré action autoprothèse qui t'ai perdu yon pied li après tremblement de terre. Ensuite, yon reportage avec John Herbie Casseus et Hervé Pierre. James Medina, c'est un autoprothésiste. Ça veut dire, moun ki est spécial, ap vive ak yon seul pied depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Avant 12 janvier, ma vive en famille avec maman et papa. M'tap étudié à l'Institut Louis Pasteur comme laboratoire médical. Et avant de enseigner à l'école classique, dans l'Académie chrétienne Antonio Suzan, 6 à Carrefour. Et normalement, incident vient produit le 12 janvier, pendant que m'tap suivant cours microbiologie à l'Institut Louis Pasteur, 6 à Oswald Durand. Et pendant que m'tap suivant cours microbiologie, et puis m'tap dans un gros bruit, pendant m'tap au milieu de salle là, et puis m'couri. Là, m'retrouvé, moi je viens. 3 personnes sous mon figure gauche moins, 2 personnes sous mon figure droite moins. Selon James Medina, handicap physique liant n'a pas aucun impact négatif sur qualité et quantité de travail li produit dans l'institution. D'après orthoprothésiste, réussite liant chita dans volonté, détermination et courage te gain pour faire face à problème yo après gros choc de prend. Très habile en prothèse. Mon notre compartiment métier très habile. Pour ne pas dire ça que je connais, c'est que dans ça, on montre nous à l'université, on fait énorme effort parce que je vis mon pays pauvre et je suis amputation en d'autres termes. Il faut faire le maximum possible effort pour être capable de remédier, surmonter ça. C'est que je ne suis jamais fatigué et au boulot avec précision. Pas pour moi-même, pour le bien-être des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées victimes pendant le tremblement de terre. Dieu a fait grâce. Bon Dieu, bon, c'est volonté bon Dieu qui choisit pour métier ça. James Medina, il y a environ 8 années, il apprend un métier, travaille et puis accompagne l'autre monde qui a besoin d'aide. Il y a un exemple, en pile l'autre jeune qui est dans la même situation physique avec jeune orthoprothésiste, là, tu as dû suivre. Une équipe télévision nationale d'Haïti rencontré quelques responsables CIEM international dans l'idée pour parler sous 8 l'année après tremblement de terre qui était frappé PIA. Betsy Charo, qui c'est directrice CIEM dans le pays. Bye,
après tremblement de terre qui était passé sous pays d'Haïti 12 janvier 2010 là, si bien international n'a tête collée avec diverses organisations locales continuer by victimes et accompagnement, y ont façon pour aider au continuer vivre. Nous avons quelques personnes qui nous ont commencé à travailler avec eux juste après 12 janvier, après nous avec eux toujours. Même façon, si bien nous travaillons, nous pas tant que l'ONG International, nous plus à focus sur le bâti des capacités des organisations locales. Oui, nous avons un bel bureau là, nous avons une activité là, même en même temps, nous vraiment nous essayer de lever fonds et de mettre fonds à disponible des organisations locales. Tant que des organisations de personnes qui sont handicapées, tant que des organisations des sociétés haïtiennes des physiothérapeutes, tant que ça qui est plus durable. So, pour nous-mêmes, oui, nous avons dit que nous travaillons avec les gens toujours, mais nous ne parlons pas de soins directs. Nous plus chercher des organisations qui ont des racines qui basent dans la communauté, nous essayons de supporter pour qu'ils fassent continuation de travail. Chaises roulantes, béquilles, c'est quelques parmi divers matériels CBM distribués par les CILAYO qui subit un handicap dans le COYO pendant l'événement ça. Organisation ça a tout facilité quelques dans le pays. Y a une manière pour permettre monde qui frappe notre tremblement de terre à joindre la soignaille. Vraiment, si bien tu travailles dans le pays d'Haïti depuis 15 ans de ça. Mais pendant le tremblement de terre, il est venu plus focus. J'en doute là, le tremblement de terre a fini passer. Y a autre comme emergency pour y avoir un soin direct. Y a un monde spécial chirurgical entré pour faire opération, pour avoir matériel, à psychosocial. Nous te fait un. Parce que dans le moment de chaosité, tout le monde a couru monter depuis que nous n'avons pas de consulter rien pour te faire. Il y a des gens qui courent à Saint-Domingue, mais tout ça nous a joint. Nous avons des soins au de près. L'opération est gratuite, c'est pour ça. Le matériel est gratuit. Tout ce que vous avez pour nous accompagner. Matériel, mon bon chez Zoulant. Béquille chez Zoulant. Plaque pour maintenant pied, prothèse, orthèse, toute qualité de bagaille. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause publicitaire. Rite branché, Naptoné. Nous retournons après pause là. Président Jovenel Moïse fait une visite inspection vendredi 12 janvier dans un site servissement Ibin à Criral qui trouvait le Nari Magasin l'État. Visite ça a rentré dans le cadre de retour en vent longtemps bâtiment Radio National qui n'a même ri ça. C'est une visite tout pour vérifier l'état équipement TPTC. Yo, dans un moment, caravane changement présent dans le département l'Ouest, là, 7 février, Cap Vinila. Président de la République, là, Jovenel Moïse, Namiko, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Là, si vous comprenez bien, là, c'est Radio National. Ça veut dire, dans le cadre de réparation que nous avons fait pour Radio National reprendre local, moi, j'ai jugé bon pour regarder l'environnement radio. Pour moi, comment l'environnement est. Est-ce que Radio a l'argent, l'État dépensé, l'argent taxe à qui est pour le peuple là? Est-ce que les propices pour nous dépenser comme ça là? Et puis, nous venons dans notre gros cimetière. Un cimetière camion, encore. Sur tout l'autre cimetière camion qui vient dans le pays. Ici, là, si nous regardons derrière nous, là, c'est des camions Renault que l'État ici a acheté. C'est des camions. Chaque camion, ça presque ministre. Dans 300 000. Dans 300 000 dollars. Chaque grain. Là, il y a 30 camions comme ça qui campent pour des pannes mineures. Mais sauf que le achat que tu as fait, tu as quelques problèmes techniques, responsabilité qui te prend pour te faire réparer l'équipement, pour te faire entretenir, responsabilité ça ou pas de prendre. Je vous dis, nous-mêmes nous venons, comme nous disons, nous avons continué, nous avons corrigé, nous avons innové. Ça, c'est une correction que nous avons apportée pour nous sauver 9 millions de dollars que l'État ici a dépensé comme peuple là, pour nous. Comment pour nous faire un camion ça yo, dans l'esprit de caravane qui va lancer dans l'Ouest là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le département l'Ouest sont gros département. Chaque direction départementale va jouer 10 grands camions. On dit 8 camions, c'est ça, ministre, c'est 80 camions. 8 camions. Oui, 10 camions dans chaque direction départementale. Maintenant, 10 camions ne peuvent pas faire rien pour le département l'Ouest là. Mais avec Sanouel, 30 camions tout neufs qui viennent des pannes mineures. Qui a des pannes, directeur a dit que le camion est en panne clé. Nous avons dit ça, veut dire que le camion perdu et le camion en panne. Parce que pas gagné un côté que le camion clé pour le camion. Ça veut dire que le camion,
c'est sous Mars. Yo fabriquer yo c'est pas sur planète Terre. A dit moi dit ça, moi vinn là, moi pral mande compagnie ça qui te vend l'état ici en camion ça. Rapidement pour ministère public là entre en contact avec yo. Jodi a nous le 12 janvier. Son jour symbolique pour pays a. Son jour triste pour pays d'Haïti. Jodi a nous décider pour nous commencer reconstruction pays a. En grand monde. L'un des grands monde pour nous recommencer reconstruction avec sa pays d'Haïti gagne. Ça son pack équipement que pays d'Haïti gagne. Pour que concessionnaire ça te vende l'état ici en camion pour rapidement il y a des travaux qui viennent faire aujourd'hui en 12 janvier n'a pour 20 caravane le 7 février en 27 février pour gagner une quantité dans camion ça même si c'est pas tout 30 là parce que nous pas connait pas tout gagner en 27 février pour gagner camion ça qui paraît. Directeur national Roll Vision en John Haas recevoir jeudi 11 janvier une équipe télévision nationale d'Haïti dans local organisation 1. Dans l'occasion 1, directeur a expliqué ensemble travail, rôle vision réalisé après tremblement de 12 janvier 1 pour permettre victimes de retourner dans la vie normale. Reportage Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. Tout de suite après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, World Vision pas de printemps pour tamer action liée au souterrain. Distribution de l'eau potable, produits alimentaires, c'est quelques parmi diverses actions qui étaient posées. Ils permettent tout en pile monde joint abri provisoire pour y arrêter. John Haas, c'est directeur national organisation ça. Déjà commencé à travailler pour le fait que nous avons un pile et matériel disponible dans le dépôt panneau. L'activité de réponse, là, nous avons déjà fait distribution de nourriture et de matériel d'abri pour plus de 300 000 personnes. Nous avons distribué manger et nourriture à 1,3 million de personnes. Construction de l'école, espace pour tout le monde jouer, c'est quelques parmi le travail World Vision réalisé dans l'idée pour permettre tout le monde vivre sans ce que l'événement ça n'a pas dominé. Nous sommes à l'hôpital pour tout le monde, que nous continuons à travailler pour nous reconstruire, élargir et équiper. Également, et pas trop longtemps de ça, nous avons finalisé un projet avec eux. Nous gagnons également les communautés que nous continuons à travailler avec eux pour. Dans la question défécation à l'air libre, pour nous rendre la communauté SAIO libre de défécation à l'air libre, pour que la communauté SAIO même n'y a pas pour des maladies comme choléra, par exemple. Et c'est à partir de leçons que nous apprenons de tremblement de terre là qui permettent que nous construisons une relation avec eux, qui permettent que nous avancions de l'avant dans le travail. Pour World Vision, réaliser ensemble le projet SAIO, li joine d'après directeur national ONG ça bourade plusieurs partenaires en cours Nations Unies quelques l'église pour ne citer que ça ou seulement Haïti responsable à l'école nationale la géologie appliquée dans tête collée à étudiants différents promotion l'école ça organisé vendredi 12 janvier une conférence débat sur risque sismique dans le pays. Initiative ça qui était réuni plusieurs intervenants, étudiants et participants qui sont dans différents secteurs faites pour continuer à sensibiliser la population sous danger, mouvement sismique là représenté. C'était occasion tout pour directeur Enga, Michael Simbertil. Présenter une étude les réaliser sous mouvement sismique. Un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Henri Robert Chéris. Nous réunir, c'est pour nous capables de dire et population gagner. Des répétitions de tremblements de terre qu'a fait chaque jour.
Donc, qui comportement pour yon faire face avec un éventuel tremblement de terre? Donc, c'est dans le cadre de ça, côté que nous avons directeur Saint-Bertil qui était présenté que faille investiguer dans l'île de la Gonave, que moun l'île de la Gonave tout, pas, m'était capable de dire, pas menacé. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes nous organisons journée ça pour nous dire comment et qui façon pour yon faire face à un tremblement de terre. Donc, journée ça, t'es gain pour thème. Et jamais aussi bien que chez soi et réduit l'exposition au risque et les déplacements forcés. Pour qui ça nous choisit un tel sujet? C'est parce que nous avons tremblement de terre là, qui quittait non seulement le niveau de la misère, qui quittait le niveau de capacité de chômage, qui quittait l'insécurité pour nous et l'urbanisation, zone canarien. Donc, bon déplacement forcé qui fait. Et même j'attends, cyclone Irma qui écrasait quand même nous déplacer. Donc, tout ça, on sort de sensibilisation. Le travail, ça va permettre nous comprendre que le golfe de la Gonave, là, par l'is, j'en ai pensé, il y a un pile d'accidents là-dedans, il y a des failles, non pas des failles majeures, mais des micro-failles qui produisent des tremblements de terre. Parce que nous connaissons, depuis le tremblement de terre arrivé dans Madrid 5.5 jusqu'à 6, il a fait qu'il tombe. Donc, on passe son travail qui mérite pour l'approfondir, parce que nous pas de tout donner, nous n'avons pas. Mais c'est un travail qui est intéressant. Nous connaissons deux grands accidents géologiques à terre, qui sont les zones de faille en Rio Plantain Garden et zone de faille septentrionale. Donc c'était deux grandes zones que nous connaissons, qui sont connues. Mais en mer, pas de trop grand travail qui était fait. En mer, capable de faire des failles qui ont provoqué des tremblements de terre et des tsunamis. À terre, nous connaissons aussi des tremblements de terre à terre qui ont provoqué des éboulements, des glissements de terrain et effets de site, peut-être, par exemple dans la case IA, dans toute zone la pleine, nous connaissons un phénomène induit qui a produit comme liquéfaction. Mais en mer, nous sommes capables de faire des tsunamis si un tremblement de terre. Et puis ça l'a localisé en mer, nous connaissons ça qui a provoqué tsunami. Donc nous sommes intéressés à comprendre ce qui a passé en mer dans le pays juste pour mieux comprendre le territoire noir. Faculté linguistique appliquée FLA, c'est une parmi entités université l'État qui était plus touchée pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, 8 l'année après, FLA continuait à fonctionner dans l'abri provisoire. D'après doyen faculté ça, professeur Reynold Gauvin, construction, bâtiment, campé à cause moyen économique. Woodley, tenant faculté linguistique 12 janvier 2018 là, y a dit non plus. Nouveau bâtiment ça a permis responsable augmenter capacité à quelle faculté ya qui réduit après 12 janvier 2010, créer nouveau département et puis permettre étudiants yo apprendre dans plus bonnes conditions. Reconstruction ça qui commençait depuis plus passé de l'année campé à cause moyen financement d'après précision responsable yo. Nous gagnons un bâtiment derrière construit qui seulement bon nos possibilités pour nous gagner une dizaine de salles de classe. Malheureusement, non seulement faire rez-de-chaussée, non pas gain moyen pour nous faire deux étages, on te prévoyé. C'est un bâtiment qui doit coûter seulement à l'époque en 2014, nous avons fait un projet, il était de coûter 16 millions de gourdes en pitance pour une institution d'enseignement supérieur. Mais jusqu'à présent, nous arrivons seulement faire rez-de-chaussée, non pas capable de monter plus haut. Nous déposer, nous faisons pile démarche auprès de l'institution, auprès de primature, auprès de l'État haïtien, mais jusqu'à présent, démarche n'ont été infructueuses, n'ont pas gagné réponse. Parce que n'ont pas gagné local, ça fait tout nous fonctionner presque au rabais, parce que nous gagnons actuellement deux filières, deux départements qui ont fonctionné, c'est un département de linguistique formel et un département de traduction. Et nous entendons mettre sous pied de l'autre département qui, pour faire faculté à fonctionner, répondent véritablement à exigences faculté, c'est-à-dire une institution d'enseignement supérieur côté où je viens de plusieurs disciplines nous enseigner. Et pour nous arriver à faire ça, nous obliger à joindre un espace qui a des quoi qui répondent. Profitez exprimer d'outli par rapport à projet construction, il y a un campus pour l'Université l'État dans Damien, l'aile considérée, processus de construction plusieurs entités qui déjà peut exécuter. J'ai l'impression que l'université a joué sous deux tableaux. L'université a li pas véritablement fixé sous question et campus là. Je vais prendre deux exemples pour justifier ça. Mais concernant la faculté de médecine, il fait qu'inaugurer un bâtiment qui est dans l'ancien local, sous même site côté OTEA.
nous gagnons une faculté des sciences qui actuellement a construit. Si vraiment vous mettez le cap sur le campus d'Amiens, vous êtes capable de tout construire, bâtiment faculté des sciences d'Amiens. Vous êtes capable de tout construire, bâtiment faculté de médecine, qui inaugure déjà ça fait presque une année, d'Amiens. Ça montrait que projet campus là, même responsable université, on pas certain quoi la donne, si on était quoi la donne. Paquet 12 janvier 2018 là, décanat faculté linguistique appliqué, organisé une journée réflexion dans l'espace faculté là. Dans mois cap vinyo, Flapral fêté 40 ans existence li. 12 janvier 2018, ça fait exactement 8 l'année depuis un terrible tremblement de terre magnitude 7.3 t'est frappé pays d'Haïti. Pour commémorer date ça, plusieurs églises dans la capitale là organisé service remerciement. Un reportage Marie Jolie avec Moïse Wilbich. Pour commémorer la date 12 janvier 2010, là, différentes églises en capitale là organisent une journée prière dans tête collée avec Fidelio pour remercier grand maître là qui fait la journée jeudi à côté de plusieurs là-dedans yo qui pas de mots pour t'exprimer yo leur absence un moment difficile ça. Jeudi 12 janvier ça représente un signe de victoire pour moi. Nous t'es proche, nous t'es victime. 8 ans depuis que en pile famille en Haïti t'es perdu et en pile proche yo, proche parents, proche amis. Nous disons bon Dieu merci parce que lui fait nous grâce nous là matin. Dans un moment yo t'a pleuré bon Dieu chanter quelque là-dedans yo pas de joindre un mot pour expliquer comment yo t'est arrivé vivre 12 janvier 2010 là. Le 12 janvier j'ai perdu mari moi. Mais ouais jodi à là me content ça t'im vivre parce que ça qui passe là dans ça de là là, moun pa ka songer ça t'est passé parce à derrière de nous. Tout échec yo derrière de nous et puis nous avons avancé. Laisse dans la réalité pour moi. Nous défoncer petit peu de en l'air pour que bon mais la vie, pas de mourir, pas de grand uniforme. Ce Seigneur ne veut pas que casser bon Dieu range pied pour moi. 12 janvier pareil hier, il pas connant le événement qui passé là. Nous sorti mal nos anniversaire. Et puis me dégré petit point la caille à prendre le sang. Le me retourner moi je me tomber, il pas de grand rien. 8 ans après catastrophe naturelle ça. Peuple haïtien, pourquoi j'aime qu'oublier événement ça, qui quittait en pile d'œil en amitant population, côté environ 300 000 mounes, qui perdu la vie. L'autre point dans le journal là, direction générale ministère Kilt, fait qu'on est, les saisies, tandis qu'ils j'en ont cérémonie mal intentionnée, mais t'es diffé dans un péristyle, temple vaudou, dans zone rivière froide. Direction a profité, fait tout le monde songer d'après arrêté présidentiel 4 avril 2003. Vaudou, c'est yon religion tant que toute l'autre religion. Direction générale ministère Kilt fait qu'on est les condamnés à toute force li Zak Sila pendant li souhaiter la justice lagué coucou rouge derrière coupable. Yon délégation ministère agriculture accompagné à quelques représentants en Fonds international pour développement agriculture FIDA t'es visité Jean s'est annoncé dans Tikyo yon série travail complémentaire ravine cap réalisé dans département NIP visite ça c'est pour permettre qu'ils ont constaté dans quel niveau travail yo yé. Mi sec seuil à crampe. C'est construction qualité baray sa yo qui fait dans environ 11 bassins versants dans le département Niplan, dans cadre travail traitement ravine ministère agriculture a réalisé dans le département sa. Travail sa yo a fait dans l'idée pour diminuer quantité dégâts de l'eau qui a sauté dans tête mon yo et puis empêcher te yo aller dans rivière. Décision ça d'après responsable ministère agriculture participer dans effort qu'a fait pour remembrer agriculture haïtienne. Dans cadre travail ça bénéficiaire yo a planté pied à fruitier cap aider améliorer conditions vie moun nan zone concernée yo bénéficiaire yo di yo apprécier travail qui fait là cap empêcher yo inonder nan moment la pluie ak cyclone parce que inondation qui kon gagner kon la cause yo perdi proche yo yo souhaité ministère agriculture continuer à travail là ça cap diminuer inquiétude yo nan période la pluie ak cyclone.
avec travail ça, il pas faire dégâts encore parce que l'aide doit sortir en l'air, il est en jeune bonne là, est en coupé avec quantité force qui qu'on descend là, il pas descendre avec même quantité force ça toujours parce que rampio a est en barré là après sa quantité de l'eau pour sérieux ta recevoir depuis en l'air est en diminuer. Travail là ba un bon résultat parce que me penser dégâts de l'eau qu'on a le faire en bas, il pas pas le faire pour rien. Nous on fait continuité pour nous parce que nous gain des avec n'importe quoi pour traiter qui a des problèmes toujours sur le la pluie tombée côté qui ravinio yo réellement te paraît comme un danger pour nous les yo aller et tomber dans rivière Pascal et comme ça yo prend tout ça rejoindre sous tio donc pour yo capable dégrader on t'a dit et bâchement nous joindre en pile parce que yo former nous ta remet que et continuité projet ça pour nous ta gain l'autre encore qui t'a pour venir faire en façon pour nous être capable subsister avec besoin que nous gagnons dans la 4e section commune de Miragouane. Si lui pour continuer avec pour ça, nous pensons qu'il y a plus de bagages à faire. Et puis nous même ça nous fait déjà, il y a moins de continuité et il y a l'autre bagage qui peut faire toujours comme si avec ça. Pour du moins ce qui est censé et marée bête et sur rampio. Donc nous espérons que nous ne pas plaguer là seulement. Donc il y a continué et ben nous assistance, tout comme nous dans le niveau comité. Nous allons continuer à mettre tête ensemble pour écrire ensemble de projets et voir comment nous sommes capables de faciliter la continuité de travail au niveau et bas service à Abraham. Ils ont fait canal irrigation pour nous et ils ont capté de l'eau égale pour nous capables de faire travail ça. Nous avons voulu d'abord mon plus encadrement égale pour nous capables de continuer travail. Je ne pas dire chaque année pour nous avoir été gratuite et nous voulons gratuite, mais nous avons fait quelques petites améliorations par exemple, nous avons fait des boutiques et tout. Et puis nous avons fait tout pour que nous capables de nous dans ça. Qualité barrage ça yo fait tout dans objectif pour canaliser de l'eau yo pour user jardin paysan yo. Travail ça diminuer l'effort qui t'a dû fait pour aider de l'eau arriver dans jardin mon yo. Responsable ministère agriculture m'a des paysan yo pour prendre soin barrage yo, empêcher yo craser pour faciliter communauté yo vivre plus bien. Pendant passage yo dans département Niplan, dirigeant ministère agriculture yo profiter distribuer plan manger by agriculteur yo dans l'idée pour répondre en partie à préoccupation yo té ka gagner pendant campagne hiver sous qui côté y a besoin de semences. Projet ça te permet de labourer 11 carottes pour agriculteur yo et puis créer moyen pour user jardin yo. L'église chrétienne d'Haïti, révérend pasteur Jean Ruiler Jean, qui s'est député circonscription Kouadéboké a dirigé, célébré 45e année existence li 31 décembre qui s'est passé là dans l'occasion. Il y a un service d'adoration organisé en présence ministre Affaires étrangères à Kiltla, Antonio Rodrigue, à plusieurs parlementaires. Député Jean Ruiler Jean encouragé assistance là arrêté nan bon Dieu ministre Antonio Rodrigue dit gouvernement poté si pour li nan cadre travail l'église chrétienne d'Haïti a fait. Sous initiative l'école technique agricole Tiot Info TEP déjeuner froid agro gastronomique artisanal organisé 31 décembre 2017 à 1er janvier 2018. Objectif activité ça, c'est pour faire promotion pour produits locaux et puis encourager jeunesse la retourner cultiver la terre. Une responsable activité yo Edmond Bernard a exprimé bien sûr satisfaction li. Parti Union Chrétienne Démocrate là, CDU chancelier allemand Angela Merkel a dirigé joine vendredi 12 janvier 2018 là, yon accord pour former un gouvernement allié conservateur social démocrate là, yon accord en pile allemand Captain depuis 24 septembre passé dans quatre dernières élections fédérales qui organisées en Allemagne. En suivant. Après 5 jours de négociation, conservateur social démocrate yo joine un compromis pour former un nouveau gouvernement coalition dans pays Allemagne. Compromis ça l'ouvre porte pour un 4e mandat pour chancelier allemand Angela Merkel qui est sous pouvoir depuis 12 ans. Angela Merkel pas de joindre soutien libéral et écologiste après législative mois septembre. À cause ça, il y a un volet qui concerne le contrôle et la régularité politique migratoire et la quantité demandée d'asile. Nous avons déjà eu plusieurs discussions difficiles sur ce sujet ça avec répartition plusieurs tâches dans l'État, et spécialement dans la région et la commune. Nous conscients préoccupation mounio, c'est pas qu'on est qui est en charge tel ou soit tel dossier, ça est voulu, c'est pour pays à fonctionner. Dass das Land funktioniert. Konservateur et social-démocrate ont décidé de limiter la quantité annuelle demandée à Zilio qui variait entre 180 et 220 000 alors que le pays a accueilli
qui se passait en million en 2015 à 2016. À quoi ça, c'est une belle réponse allemande à proposition qui était faite en Paris au soir Commission européenne à Bruxelles. Ensemble, nous décidons qu'il faut une république où nous tous d'accord sur les. C'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Jusqu'à présent, pas un accord sur monter impôt sur revenu qui pille élevé ou soit sur création et une assurance maladie citoyen. Toujours dans l'actualité internationale, le gouvernement République d'Haïti a fait qu'on est très indigné et choqué pour Gouton, qui t'a dit dans le cadre d'une rencontre président américain à congressman américain, selon le journal américain yo rapporté, il y a l'autre fois encore, d'après le gouvernement, ça a montré comment mépris qui n'ont déclaration insultant ça yo pas correspondre même à qualité sagesse. Tant réflexion à discernement, toute autorité politique doit cultiver. Gouvernement haïtien condamné avec toute force li mauvais propos sa yo, parce qu'il n'y a pas correspondre à ensemble lien qui m'a connu avec yon long bas en mitaille avec bon rapport qui unit des peuples yo américains et haïtiens. Le président américain Donald Trump a démenti information qui fait quoi l'État utilisé à propos désobligeant pour qualifier Haïti avec pays africain. Jean plusieurs médias américains rapporté ça. Suite à la déclaration ça, président Trump a déclaré l'État dit pays Haïti c'est un pays qui pauvre et puis qui troublé. Il précisait tout, il pas jamais dit fait you sorti. D'après bien sûr président Trump c'est une invention démocratique. Nous allons faire le dernier rappel, c'est dans quelques secondes.